Zoumit, qu'est-ce qu'il fout là? Regarde. Ah, oh, il est énervé le petit. C'est quoi ton histoire? Il veut jouer, donc on va jouer. 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 Salut les gars et bienvenue pour le concours du Zoumit. Alors, pour info, donc c'est une tombola qui était dans une vidéo, enfin une tombola cachée qui était dans une vidéo de Mani. Donc il y avait rien dans le titre qui disait que c'était une tombola. Donc j'apprécie ce jeu parce que ça permet de jouer uniquement aux gens qui ont regardé cette vidéo et pas qui ont regardé une vidéo intentionnellement parce qu'elle était tournée vers une tombola, etc., puisqu'il n'y avait rien dans le titre. Donc ça, c'est très bien. Et ce qui était moins bien, par contre, c'est qu'il a redirigé tout chez moi. Donc, c'était bien joué. Bien joué, Mani. Je te remercie. Parce que passer, je ne sais plus combien, 580 commentaires en vidéo, commentaires en revue, eh bien, c'était tranquille. Donc, c'était à ce moment-là, il fallait répondre dans ma dernière vidéo. Je vais y arriver. Et donc, c'était celle avec l'ours bleu, ici. Eh bien, je peux vous dire que quand vous passez 588 commentaires en revue, vous en avez pour un petit temps, hein, comme vous voyez ici. Vous voyez, il y en a encore, tout le monde est là. Ok, il y en a encore, on croit que c'est fini, ben non, on descend, il y en a encore. Sympathique, merci Mani. Mais bon, c'est le jeu, c'est bien marrant et ça me fait bien plaisir. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour départager les gagnants? Eh bien, on va prendre le petit algorithme qui se trouve là. Voilà, le YouTube Random Comment Picker. Donc, je prends l'URL de cette vidéo. Je vais le mettre ici. Tac. Alors, on filtre les utilisateurs dupliqués. Donc, si un utilisateur a mis plusieurs fois Zoomit dans différents commentaires, il n'y en a qu'un qui sera tenu en compte. Alors, ici, c'est pour inclure les réponses dans les commentaires. Donc, si on a mis Zoomit dans une réponse de commentaire, donc ça, je ne vais pas faire. Je prends que les commentaires uniquement, pas les réponses. Donc, les réponses des commentaires ne sont pas prises en compte. Alors, on va filtrer sur un texte spécifique. Et là, il y a une difficulté parce que Mani a bien insisté. Et là, je vous mets l'extrait de la vidéo. Donc, au départ, il avait dit « Zoomit ». Pour gagner ce petit Zoomit, qu'est-ce qu'on va vous faire faire? Eh bien, vous allez balancer le commentaire « Zoomit » sur la dernière vidéo qu'a sorti RC Jam Jam. Tout simplement. Ça, lui aussi, il n'est pas au courant. Mais, bien sûr, il fallait rester jusqu'à la fin de la vidéo. Comme c'est le cas, chaque fois qu'il y a des vidéos de Tombola, il faut bien les écouter en entier. Sinon, on se fait entourloupé. Et donc, à la fin de la vidéo, Mani avait passé ceci. Et vous mettez le commentaire Zoomit, avec un Z, j'y tiens. Il faut que ce soit Zoomit, Z-U-M-M-I-T. Ou Zoomit avec O-U, si tu veux. Et oui, donc il fallait commencer absolument avec un Z, puisque le boss y tient, c'est comme ça, et c'est comme ça. Donc, Zoomit, mais aussi était permis Zoomit avec OU. Donc c'est les deux seules orthographes qui étaient permises. Mais si je rentre comme ça, on va le faire. On va trouver personne, évidemment, sauf quelqu'un qui aurait mis les deux mots pour se suivre. Donc ici, ce programme ne permet pas de dire je veux sélectionner tous les commentaires qui ont Zoomit avec un U ou Zoomit avec OU, c'est pas possible, c'est les deux.
Donc, il faut le faire en deux fois. Donc, si on prend tous ceux qui ont eu Zoomit, on voit ici qu'il y en a 182. Okay. Et si on fait avec un U, donc qui était la deuxième orthographe possible, il y en a 17. Et si je veux faire un tirage au sort, donc il va falloir que je le fasse en deux fois, ou alors, autre moyen, comme il y en a 17 ici, il va falloir les trouver et les ajouter ici. Donc ici, j'ajouterai 17 noms pour qu'ils soient ajoutés au 182. Donc si je fais zoom it comme ça, j'en ai 182, je vais ajouter ici, les 17 qui correspondent à Zoomit avec OU. Et ainsi, on les aura tous en un seul, dans une seule liste. Donc, ici, je vais faire tout défiler pour avoir tout qui apparaît. Je vais faire une recherche sur Zoomit. Désolé si ça prend du temps, les gars, mais ça augmente le suspense. Et puis, c'est Mani qui a fixé les règles, hein, c'est pas moi. Moi, j'essaye de me tenir aux règles pour que ce soit équitable. Et comme le programme ne permet pas d'un coup de faire Zoomit ou Zoomit, eh bien, il faut se débrouiller pour y arriver. Voilà, là on a tout. Je suis à la fin de la liste. Et comme j'ai tout le texte maintenant qui est présent ici sur ma page, je vais pouvoir faire une recherche sur Zoomit. Voilà, alors il y en a un, Zoomit, et c'est... Ouais, j'espère que je vais pouvoir copier le nom. Copy link text, on va essayer comme ça. Hop, ah ça marche, copy link text. Voilà, donc ça c'est le premier qui a mis Zoomit. Est-ce que c'est bien juste? Ok, parfait. Alors je cherche le suivant. Le suivant c'est Pilou, RC. Je vais faire un copy link text et le mettre là. Nickel, ça marche. Le suivant. On devrait bientôt arriver à la fin, puisqu'il n'y en avait que 17 apparemment. Donc là. Ah, celui-là, on l'avait déjà. On est peut-être revenu au début, je ne sais pas. Je vais voir ça. Pilou RC 74. Ouais, on est revenu au début, donc on devrait en avoir 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'est bien ça, 17. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc on en a bien 17, donc on va pouvoir faire le tirage. Et donc, parce que, on a filtré duplicate, filtré machin, exclude, add entry, filter comment, based un spécifique texte. Oui, zoom it, voilà. Donc, si je fais ça, voilà, on a bien 182 fois le mot zoom it. Et ici, dans les 17 que j'ai ajoutés, 17 ajouts pour le mot Zoomit avec OU. Donc là, on les a tous, 182 plus les 17. Et donc, le tirage en direct, attention, je ne le fais qu'une fois, évidemment. Regardez bien, start. Donc là, il y a un petit peu tout qui passe en revue. Et c'est Golgotor qui a gagné. Encore une vidéo au Zoomit. Donc ici, on voit son mot-clé qui est bien juste. Bonne chance à tous. Et voilà. Donc, Golgotor, eh bien, félicitations pour ce magnifique Zoomit que tu as gagné. Eh bien, tu vas envoyer un mail à Mani. Donc, c'est rcgarage68@gmail.com. Félicitations encore une fois à Golgotor et
Désolé pour les autres, mais rien n'est perdu. Continuez à regarder les vidéos, continuez à participer et un jour vous gagnerez, ça c'est certain. Faites-vous plaisir avec vos RC, c'est ça le principal. Salut les gars, bonne journée à tous.